Donc amis gamers et amis gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et me voici de nouveau, j'ai envie de dire, avec Kayane, la magnifique Kayane, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Voilà. Donc Kayane, je t'ai déjà eu derrière mon micro pour une interview, tu vas parler un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore de ce que tu fais actuellement. Donc on t'a connu sous plusieurs casquettes, et on te connaît toujours d'ailleurs comme joueur professionnel de jeux de combat, entre autres sur les Soul Calibur et sur les Street Fighter. Je vais te laisser te présenter toi-même. Pour les gens, Je suis joueuse professionnelle de jeux de combat et depuis toute petite, j'ai commencé à 9 ans. J'ai actuellement 23 ans et j'ai jamais lâché depuis 14 ans à faire des compétitions. Depuis même que je suis majeure, j'en fais partout dans le monde, souvent aux États-Unis, même au Japon. Et voilà, je vis pleinement de ça, et en ce moment grâce au soutien de Red Bull. Et je suis animatrice sur Game One. Donc il y a 4 émissions hebdomadaires où je suis présente. Celle que j'anime, c'est Game One eSport pour traiter de l'actualité sport électronique. Et il y a eu Team Game One Hebdo et Quotidienne et la Game One Box où on joue en duo avec les autres animateurs. Voilà. Voilà. Donc tu as un programme assez chargé, tu fais beaucoup de contenu en ce moment, tu es aussi organisatrice d'événements. Je passe le petit coucou à Adzu au passage qui me connaît bien aussi. Donc c'est vrai que je te suis depuis un moment, hein. Je l'avais dit dans la première interview, on va pas refaire une seconde fois cette interview là, mais c'est vrai que depuis 2003-2004, on a eu l'occasion de se croiser dans des tournois. C'était plus en tant qu'adversaire, dans d'autres contextes, où tu gagnais toujours d'ailleurs, comme maintenant, même si je me suis bien défendu à Street 4 tout à l'heure, hein. c'était très serré. Et donc je vais te laisser un petit peu en parler aussi de ce que tu organises, justement entre autres pour donner envie aux gens, faire découvrir aux gens l'univers des jeux de combat. Oui, c'est vrai que je fais aussi d'autres choses et j'organise des événements, notamment ce qui est appelé les Kayane Sessions. Donc je réunis dans une salle une centaine de joueurs de jeux de combat, qu'ils soient débutants, amateurs, ou bien encore plus confirmés, voilà, ou quelques joueurs pro aussi. Et voilà, tous les niveaux sont réunis et c'est vraiment pour s'entraîner, passer un bon moment et pas forcément jouer à fond la compétition. Alors c'est pas le but, c'est pas du tout un tournoi, c'est vraiment une session de free play quoi. Et ça a eu beaucoup de succès à Paris et grâce à Red Bull, je vais en faire en dehors de Paris. Donc j'ai commencé par Nantes et ça a cartonné à Nantes. Et d'ailleurs, je remercie le Game Over, le bar Craft sur Nantes qui l'a accueilli. Et donc j'en prévois d'en faire d'autres. Et à part ça, il y a les Kayane Academy où là je travaille directement avec les bibliothèques de Paris, donc indirectement avec la mairie de Paris pour en fait apprendre les jeux de combat à ceux qui connaissent mais absolument rien du tout. On part de zéro et vraiment j'apprends les bases et c'est gratuit et c'est un plaisir en fait pour moi de pouvoir faire ça parce que je me rends compte qu'en l'espace de 3 heures j'avais complètement atteint le nombre d'inscriptions de 60 personnes pour apprendre à jouer aux jeux de combat. Donc je me dis qu'il y a quelque chose à faire là-dedans parce que oui, dans ce créneau-là, c'est qu'il y a des gens intéressés pour jouer les jeux de combat et ne savent pas par quoi commencer. Donc voilà, je suis à fond dedans et j'ai aussi le Paris Manga. Enfin, c'est pas moi qui l'organise, mais j'ai une scène et un stand de 400 mètres carrés là-bas. Et voilà, j'ai tout à organiser, que ce soit la relation pour avoir les partenariats, parce que monter une scène, ça coûte des sous. Donc il faut bien gérer la partie sponsor et aussi la partie animation. Donc j'anime constamment sur la scène avec Genius notamment. Voilà. Et le stand est souvent géré par des associations dont Republic of Fighters. Donc voilà à peu près tout ce que je fais en ce moment. Je sais même pas si j'ai... je pense que j'ai oublié des choses, mais voilà, c'est très long. Donc Kayane, on te connaît surtout en tant que joueuse, donc pro de jeux de combat. Mais il y a une question que j'avais envie de te poser, c'est justement en dehors des jeux de combat, quels sont les jeux auxquels tu joues et quels sont aussi tes jeux vidéo préférés ? Alors on va en donner 2-3, hein. Je vais pas te demander ton jeu préféré parce que ce serait trop dur, hein. C'est comme quelle est ta chanson préférée, c'est une question beaucoup trop généraliste. Mais si t'as des noms en tête de jeux qui vraiment t'ont tenu à cœur et des styles de jeux auxquels tu joues en dehors des jeux de combat, si t'as le temps bien sûr, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Le truc
truc, c'est que ouais, j'ai pas tellement le temps. Et en plus, le genre de jeu que j'adore en dehors des jeux de combat, c'est les RPG, quoi. Donc, ce qui prend des tonnes d'heures. Voilà, j'adore les RPG. J'ai commencé avec Final Fantasy VII, Valkyrie Profile 1, donc sur PlayStation. Et en fait, je pense que l'un de mes jeux préférés qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le FF7 et Valkyrie Profile. Aujourd'hui, je connais par cœur les musiques, tout le scénario, les personnages, j'adore tellement. Et je suis assez nostalgique parce que je ne retrouve pas la même chose dans les RPG de nos jours. Mis à part ça, j'adorais StarCraft World War quand j'étais petite, et donc StarCraft 2, même si j'ai moins le temps d'y jouer, donc c'est un peu étonnant, je pense. Mais tu joues un petit peu quand même aussi ? Oui, j'y joue quand même. T'as le jeu ? Ouais, c'est devenu le délire avec mes frères, parce que toute petite, on jouait à 3 contre 3, donc maintenant que... À StarCraft. D'accord, vous jouiez déjà aussi à StarCraft ? On jouait beaucoup à Soul Calibur ensemble, mais StarCraft aussi. D'accord, ok, ça je savais pas. Okay. Donc voilà, et en ce moment je joue beaucoup à Final Fantasy Curtain Call, donc le jeu de musique sur 3DS, mais je suis accro quoi, j'arrête pas d'y jouer, j'y pense là. Rien qu'à terminer la journée, je me dis ah, j'ai continué les musiques. Donc voilà. Un large gamme en plus de thèmes. Ouais, mais il y a tellement de thèmes et ça me donne envie de rejouer encore au FF, donc je vais devenir complètement accro, je sens. Je le suis déjà. Que penses-tu de Smash Bros justement ? Bah, c'est la version 3DS, ouais. La version quasi similaire sur Wii qui sortira plus tard, mais cette préquelle, je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, je vais essayer de te rapprocher un petit peu. Ah ouais, mais je suis en train de m'éloigner, je suis désolée. Oui, je bouge beaucoup quand je parle, mais Smash Bros, malheureusement, je n'ai pas la GameCube, donc je n'ai même pas pu jouer, m'entraîner dessus. Du coup, moi j'attends vraiment la 3DS, enfin j'attends de la voir, parce que d'ailleurs on est combien, parce que il sort le 4-6 octobre, dans un truc comme ça. Il y a déjà des versions cool hein, qui sont... Ouais, bah oui, parce que il faut que je le précommande, enfin que je le précommande, s'il est déjà sorti, il faut que je l'achète. Donc voilà, après il faudra que j'y joue, je passe le temps, et je sais qu'il faudra quand même que je joue en versus contre des gens, ça c'est le plus rigolo. Donc je suis très contente. Ouais, après, carrément. C'est vrai que c'est une autre approche, c'est à mi-chemin entre un particulier et un jeu de combat, donc vu que voilà, Nintendo là, elle a pensé un peu plus tournament type, est-ce que ça t'intéresserait de, justement, est-ce que c'est un jeu qui te tente, ou est-ce que tu penses que tu vas le laisser de côté, parce que c'est vrai que... Carrément, ça... mais ça me tente, je vais pas y jouer à fond comme les joueurs pros qui commencent à arriver dessus et qui sont ultra reconnus maintenant, mais je vais y jouer pour le fun. Donc même une version 3DS, moi ça me va pour découvrir. Il y en a bien des joueurs sur Street Fighter qui vont commencer avec la DS. Donc sait-on jamais, peut-être que ça me plaira tellement que je vais peut-être m'acheter une Wii U. Tout qu'à venir. Et enfin, dernière question, donc Kayane. Je voulais savoir si tu as toujours, bien sûr, alors je pense que oui, conservé le Golden Stick que tu avais remporté dans le tournoi féminin de l'Evo. C'était le Golden Stick. Non, bien sûr, je l'ai toujours gardé, c'est comme un trésor pour moi. Tu l'as en trophée sur une étagère ou... Ouais, sur une étagère, ça reste. Je l'ai jamais joué, enfin, j'ai jamais joué avec. Et il faut savoir qu'il est vraiment hyper lourd et que c'est pas fait pour jouer avec en fait. Il est en quelle matière ? C'est comme les autres matières de stick, hein, c'est juste qu'il a une couleur dorée quoi. Mais c'est collector. Alors on mettrait une petite photo hein, sur la vidéo pendant que tu racontes ça pour qu'on puisse voir les. Enfin, qu'on puisse imaginer la forme de ce tournament édition de. Je vais pas donner la marque, ça fera de la pub. Si, Madcast, on le dit. Allez voilà, allons-y, voilà. Pour les gens puissent comprendre de quoi j'étais en train de parler, la référence que je faisais. Eh bien, écoute Kayane, merci comme d'habitude de te passer derrière le micro. Et puis bonne fin de journée à toi, bonne continuation, et puis à bientôt dans un tournoi ou dans une convention comme ici. On se reverra comme d'habitude, et je fais tellement de conventions que je suis sûre que je vais vous voir aussi un de ces quatre. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à me suivre sur Facebook, et puis Kayane, à très bientôt pour un nouveau Balrog Chun-Li. Oui, à très vite alors, salut. À très vite je pense même, salut.